Oula, il y a du vent, les cheveux en vrac. Il est où le cucu? Elle est où la tétette? Rebonjour à toutes et à tous. On a un temps qui est variable à couvert, une température extérieure à 19-20, une température de l'eau, attention, à 19-18. Et vous allez voir un plan là où on voit l'eau au large, elle devient de plus en plus marron. À mon avis, là-bas, c'est gelé, c'est du 16 ou un truc comme ça. Attention, ça risque d'arriver. Là, ça c'est fait, Nanina, ça c'est fait. Cet après-midi, un temps qui est variable, une température à 22. La marée, elle est actuellement en train d'être pleine haute. Le plan haut est à 10 heures avec des coefficients petits de 56. Et sur cette marée qui est pleine haute, ben, le vent est side onshore. Excusez, mais c'est pas évident parce que le vent, il est bien présent. Il est nord-nord-ouest et à l'anémomètre, j'ai relevé du 28 km/h établi, des rafales à 30. Donc c'est du 4 Beaufort établi. Hein. C'est un vent qui est soutenu. Des clapots, des moutons partout, des taches d'eau marronnasse. Vous la voyez là, un peu au large, si vous voulez la voir. Celle-là, elle est gelée. Et à mon avis, elle va arriver. Et donc, clapot et mouton, une houle complètement déstructurée hein, et qui est courte avec 7 secondes de période orientée ouest-nord-ouest à ouest, multipique. Ouais, à la hausse, c'est un peu plus consistant. Il y a 50-70 cm en déferlement régulier, 80 cm sur les séries qui rentrent fréquemment, 1 mètre sur les grossettes. La barre n'est pas facile à franchir parce qu'il n'y a pas de zone de contournement. Il y a des vagues partout. Les vagues sont hyper agitées, pas faciles à surfer, même si en termes de taille de vagues. Pour eux, c'est accessible, c'est surfable pour tout le monde, mais c'est en vrac, c'est venté, c'est moche, c'est pourri, il n'y a que les écoles à l'eau. Hein. Et en plus, quelques-unes qui arrivent à passer un petit peu derrière les vagues, mais sinon, là, la majorité, elle reste au bord. L'évolution pour le reste de la journée, bah, c'est ce train d'houle qui va grossir à la mi-journée. Donc, on a commencé la journée à 1,50 et 5 secondes sur la bouée Tartachan. À midi, elle donne 1,60 et 5 secondes. À mon avis, on aura un bon mètre, peut-être un petit mètre 20, mais à mon avis, pas trop. Et après, pour la fin de journée, elle rebaisse la bouée. Elle est à 1,40 et 5 secondes. Donc ça baisse cet après-midi. Pour ce qui est du vent, il va peut-être se calmer un petit peu. Être modéré à soutenu. Donc les prévisions à 13 h, ça grossit à 1 mètre. Peut-être 1 mètre 20, mais je le sens pas. Houle ouest, nord-ouest à ouest, 7 secondes de période. Vent de nord-ouest 3-4. Et à 17 h, ça rebaisse à 80 cm à mètre. Houle ouest, nord-ouest à ouest, 6 secondes de période. Vent de nord-ouest 3-4. Des vagues pourries toute la journée, puis une température de l'eau qui va se rafraîchir. Le prochain point, tout à l'heure.